أزيك يا منى نسيتي السوين غنروح ليا ما يدير كاع مساكين وبزون فرانسيس اللي تزاوج مولود مع مريد لا فاكيت دول عليا لا فاكيت دو بلاد خدام تنمي فيك لا بوين دو سان الرول ديال قريشة كير على الوفير de ce colloque national intitulé « Penser l'exclusion, regard croisé sur l'haltérophobie ». C'est un colloque qui est déjà là, qui m'attache les communicants avec des muslaïens, c'est des foutlaïens. Et bien, elle a dit « C'est Francis, c'est un grisé, bref, alors, qui donne des muslaïens, des doublins, des muslaïens. » Voilà, la religion, elle est aussi une nationale, je vous invite à l'écouter. Sans trop tarder, je passe directement la parole à M. Chobouté Karim, président du colloque. Ensuite, à Mme Abdelila, chef du département des lettres et des langues, chef du département de français, pardon. Ensuite, à Mme la doyenne de la faculté des lettres et des langues, M. Chobouté. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous remercie vivement de votre présence. Donc, je tenais à remercier tout d'abord les responsables de l'Université Iudicana qui nous ont facilité la tâche pour l'organisation, la préparation et l'organisation de ce colloque, donc, qui encourage la recherche ce genre de manifestation scientifique, justement pour donner l'occasion aux enseignants et aux enseignants-chercheurs de faire de la recherche, de préparer des communications et pourquoi pas publier des articles à partir des communications. Pourquoi? Parce qu'à partir des communications, on pourra tous faire un article. Je remercie également les membres du comité d'organisation et du comité scientifique qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de ce colloque. Pour le thème du colloque « Penser l'exclusion, regard croisé sur l'haltérophobie », c'est un thème très intéressant puisqu'il a suscité beaucoup d'intérêt. De nombreux enseignants-chercheurs qui ont proposé des communications très intéressantes. Ce sujet est pluridisciplinaire et peut être traité d'un point de vue linguistique, didactique et littéraire et pourrait même être traité par d'un point de vue psychologique, sociologique, etc. Donc, l'idée de départ était de traiter le concept de l'haltérophobie, c'est-à-dire la peur de l'autre, et de l'hétérogénéité des sociétés, notamment algériennes, et le relier à l'identité des personnes, et aussi nationale. Le concept employé à plusieurs reprises par les politiques. Bien sûr, la société algérienne, comme toutes les sociétés ou beaucoup de sociétés, n'est pas homogène. Maintenant, le processus de construction identitaire est en relation constante avec l'altérité, c'est-à-dire l'autre. Mais cette relation est souvent conflictuelle. Pourquoi? Parce qu'ignorer l'autre provoque la phobie et de la haine de l'autre. L'autre qui participe à la construction de notre identité, c'est-à-dire l'identité de soi. La haine provoque la violence physique ou verbale qui peut s'exprimer par le racisme, la ségrégation et la discrimination. Comme les discours discriminatoires et racistes ne se nourrissent plus des différences ethniques et raciales, puisqu'elles sont condamnables par les lois juridiques, mais plutôt par les différences culturelles, sous prétexte de protéger sa culture, qui est différente de la culture de l'autre ou de la culture des autres. Donc nous avons voulu, à travers ce colloque,
convoquer des analyses scientifiques du phénomène de l'haltérophobie d'un point de vue, j'ai dit, linguistique, didactique et littéraire. Le but aussi est de croiser des regards et des points de vue scientifiques des différents chercheurs sur l'haltérophobie pour nous éclairer sur ce phénomène en mobilisant bien sûr des théories, des ouvrages et des méthodologies variées. Ces différents regards et points de vue nous permettront certainement d'avoir une meilleure compréhension du phénomène de rejet et de la haine de l'autre et pourquoi pas aider à une véritable tolérance entre les humains. Maintenant, nous allons commencer notre colloque avec une série de 18 conférences riches et variées sur l'haltérophobie d'un point de vue linguistique, didactique et littéraire. Je vous souhaite à tous bon courage. Monsieur Chapoté, je souhaiterais pour ma part remercier tous les collègues qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de cette manifestation scientifique. Je vais nommer Madame Lucie Fiamina qui s'est démenée pendant toute cette période, Madame Etwoulout, Madame Benafa, Monsieur Sadi, Monsieur Robéry, Mohamed Ariel, Madame Bourlou et tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont été là. Et je remercie aussi particulièrement Monsieur Sahel Breit qui a été à la tête de l'idée du colloque et de la problématique posée aujourd'hui. Je passe donc la parole à Madame Abdelbila pour l'ouverture qui s'ensuivra de Madame Ladoyenne. Merci beaucoup Mme Hewen. Bonjour tout le monde. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce colloque qui réunit des chercheurs, des experts, des étudiants, bref, des passionnés de la réflexion autour de la thématique « Penser l'exclusion, regard croisé sur l'haltérophobie ». Pour moi, ce colloque est un événement exceptionnel parce qu'il est une occasion pour partager des connaissances et échanger des idées. Il est également un moment privilégié pour réfléchir ensemble. Et je dirais pour quelques-uns d'entre nous, et dont je fais partie en tout cas, une occasion pour retrouver l'énergie et la motivation pour reprendre la recherche. Je veux profiter de l'occasion pour encourager nos collègues et notre administration à multiplier ce genre de manifestations scientifiques pour les raisons que je viens de citer, mais aussi pour le fait que ces rencontres scientifiques sont en rapport étroit avec l'activité pédagogique en général. Bon, je ne vous apprends rien, mais juste à titre comme ça, juste pour préciser un peu les choses, l'activité pédagogique qui a pour objectif transmettre des connaissances, stimuler la réflexion critique, encourager l'apprentissage collaboratif, l'organisation des colloques cherche également à rassembler les esprits curieux et engagés pour partager des savoirs, échanger des idées et générer des nouvelles perspectives. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les intervenants et participants qui ont répondu présents à notre invitation. Votre présence et votre expertise sont les conditions de la réussite de cet événement. Je remercie également tous les organisateurs qui ont rendu possible ce colloque. Que ces deux journées du colloque soient marquées par la découverte et la collaboration. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent colloque. C'est maintenant la parole pour l'ouverture officielle du colloque à Madame Ladoyenne qui nous fait honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Zulfidaoun. Donc en premier lieu, donc Madame Atlem. Au bienvenue chez vous, donc c'est votre doyenne. Voilà, donc bienvenue et nous sommes honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je dirais en premier lieu bienvenue à tous les conférenciers, notamment ceux qui nous viennent de l'extérieur, en dehors de l'Université Mouloud Mahmoud Tizi-Ouzou, et qui ont fait le chemin pour justement participer à cette manifestation et nous faire part de leurs travaux et des résultats de leurs recherches. Les organisateurs, il faut qu'on ait une pensée aux organisateurs des colloques parce que c'est un travail immense qu'ils font en dehors de tout ce qui peut se voir.
Donc, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est grâce aux efforts qu'ils ont fournis. Donc, je vais reprendre ce qu'a dit Madame Helouane. Donc, c'est Madame Lossif, Madame Etmouloud, Madame Ben Nafa, Monsieur Sahir également, et j'en passe. Donc, tout ce monde-là a travaillé derrière les rideaux, voilà, pour la préparation de ce colloque. Donc, la thématique choisie par Monsieur Chuboté est fort intéressante dans un sens, surtout que ce n'est pas une thématique ou un sujet qui se répète. Donc, c'est très rare de voir ce genre de thématique lors des colloques. Et tout l'intérêt est justement là, parce qu'on va découvrir certains aspects et certains points de vue de recherche qu'on n'a pas trop l'habitude d'écouter ou de lire. Et ça nous fait justement plaisir de découvrir cela en dehors, donc, comme l'a si bien expliqué M. Chuboté, on peut l'approcher du point de vue linguistique, sociologique, littéraire, etc., donc à travers plusieurs approches. Et c'est là justement l'intérêt de cette thématique, c'est qu'elle ne se spécialise pas dans un domaine ou dans une spécialité bien déterminée, donc elle s'ouvre sur plusieurs spécialités, c'est interdisciplinaire. J'aurais voulu voir d'autres participants des autres départements, parce que l'haltérophobie, elle touche les différentes tranches de société, les différentes langues surtout, parce qu'elle véhicule la société. Et justement, on aurait pu avoir cet échange à travers les différents départements et voir justement les différences qu'il y a entre l'appartenance justement au département et à certaines sociétés aussi. Donc, je félicite M. Chuboté pour la tenue de ce colloque national. J'espère qu'il y en aura d'autres, pourquoi pas internationaux, d'autres colloques internationaux. Et merci aussi à toute l'équipe qui a suivi M. Chuboté, qui a été dans le comité de scientifiques pour expertiser les contributions et les propositions de communication, et qui ont pu réunir les communicants qui vont nous partager leur expérience aujourd'hui. Madame Antoun également, je n'oublierai pas de la remercier, parce qu'elle est aussi derrière l'organisation de cette manifestation. Elle est la chef de département, donc c'est toujours le premier responsable du département qui suit les travaux des enseignants qui vont proposer des manifestations, que ce soit des journées d'études, colloques nationaux ou internationaux. Succès aux travaux de ces deux journées et bon courage à tous. Merci, et je déclare l'ouverture officielle de ce colloque. Merci.